Salut amis évocateurs, c'est Wendy. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo consacrée à Summoner's War et je vais essayer de répondre à une question récurrente qui est autre que good ou food. C'est sûrement le début d'une longue série de vidéos qui va être consacrée à ça. Mon but aujourd'hui, c'est de vous prouver qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Vous êtes le seul à pouvoir comprendre, analyser vos besoins. Aujourd'hui, sur Summoner's War, je suis sur mon troisième compte. J'ai joué sur du global, j'ai joué sur du Asia. Du Asia, parce qu'en général, vu que c'est un jeu coréen, ils sont très très forts là-dedans. Et puis aujourd'hui, je suis sur un serveur Europe pour me rapprocher un peu de la communauté FR, parce que je voulais avoir des events qui me correspondent un peu plus au niveau timing. Et honnêtement, ce que j'ai remarqué, c'est déjà sur les serveurs qui étaient différents, ben c'est pas forcément les mêmes monstres qu'on joue. Alors déjà, c'est un peu bizarre. On se dit, c'est le même jeu, c'est pas les mêmes monstres qui jouent, c'est pas les mêmes monstres qui sont récurrents. On peut se dire, bah ouais, mais c'est un peu normal, en arène, s'ils jouent forcément plus de monstres, bah il y a des gens, ils vont jouer plus leur inverse pour contrer cette île. C'est pas faux, ça va, t'es intelligent, t'as suivi un peu ma démarche. Ce que je veux dire aussi, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui va me dire, voilà, bêtement, ah, est-ce que je dois regarder, je sais pas, voilà, est-ce que je dois regarder le Sky Dancer haut? Ah, il y en a plein, ils vont dire, ah non, c'est un 4 étoiles pourri, c'est un foot, jette-le, puis il y en a certains, ils vont dire, mais non, mais il est super. Ce qui est important de se dire pour répondre à cette question, c'est de savoir déjà où est-ce que vous en êtes dans le jeu. Quelles sont vos équipes de base? Qu'est-ce qui vous manque? Où est-ce que vous stagnez? Où est-ce que vous bloquez? Forcément, un joueur qui est capable de faire les gens B10, les dragons B10, Nécropolis B10, les Toa 100, pourquoi pas le Toa Hard 100 carrément, quand vous allez lui montrer un 4 étoiles natif, il va dire, ah, foot, c'est de la merde. Moi, j'ai que les 5 étoiles natifs, je suis le meilleur du monde. Ouais, moi j'ai les monstres les plus OP, j'ai des Verdeïs, j'ai des Lucian. Et puis... Non, non, ça... il va vous parler de son expérience, mais ce gars-là, honnêtement, il a peut-être commencé début 2014 comme beaucoup de bons joueurs sur Summoners War. Mais il a oublié concrètement comment il a débuté, quoi. Il a oublié quel monstre lui a permis d'évoluer. Alors bien sûr, aujourd'hui, il les a foudres, mais s'il n'était pas passé par ces monstres-là, il n'en serait pas où il en est aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, comme to us, vous a donné deux gros outils pour déjà caractériser vos monstres. Forcément, la première que tout le monde connaît, c'est les étoiles natives. Un monstre 2 étoiles natives, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles natives. Faut savoir que forcément, un 5 étoiles natives, en général, dans le jeu, est bien meilleur qu'un 4 étoiles natives, qu'un 3 étoiles natives. Mais pas forcément. En quoi c'est intéressant un 5 étoiles natives? Déjà, les stats de base, les PV, l'attaque, la défense, la vitesse, va être plus élevée en général sur un 5 étoiles natives. Forcément, c'est un monstre plus rare, c'est un monstre plus puissant. La deuxième chose qui est importante, c'est les compétences. Dans les sorts qu'il va avoir, en général, il va avoir des sorts assez atypiques, assez uniques. Et ce qui fait que, bah, bien combiné avec une bonne synergie, c'est des monstres qui peuvent avoir un potentiel énorme. Mais il faut pas pour autant dénigrer des monstres 4 étoiles, 3 étoiles ou 2 étoiles. Aujourd'hui, je vous invite à aller regarder sur YouTube, il y a des très bons streamers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous montrent que c'est capable de farmer du géant B10, du dragon B10 avec des 2 étoiles natifs. Et pourtant, tout le monde leur a dit, ouais, non, mais ce monstre 2 étoiles, c'est de la grosse daube, jette-le, jette-le. Ouais, non, il est trop faible, ou non, ses sorts, ils sont pourris, moi je prends lui, il est bien meilleur. Mais ouais, mais aujourd'hui, Summoner's War, c'est quoi? C'est quand même un jeu de chance pour avoir des bons monstres. Un 4 étoiles natif, c'est une chance sur 10. Un 5 étoiles natif, une chance sur 200. Alors, on ne va pas parler des light and dark, parce que c'est pareil, mais on a tellement peu de scroll light and dark. Imaginez si le gars il dit, ouais, mais moi dans ma compo, il me faut lui absolument un 5 étoiles. Natif, light, bah d'accord, mais si c'était obligé d'avoir ça pour faire une team Jean B10 ou passer le tour à 100, bah personne le ferait honnêtement. Donc ce qui est important déjà, c'est de savoir, bah, comprendre que forcément un 5 étoiles natif, en général, c'est pas du foot parce qu'il y a des stats de base élevés. Mais il faut pas dénigrer les 2 étoiles. L'autre chose que Summoner's War vous a donné comme outil pour analyser le type de monstre, ça va être le petit encadré ici. Par exemple, ici, on a le Sky Dancer haut qui est un monstre support. Summoner's War a défini quatre grosses familles. Par exemple, Sikh, c'est un monstre attaque. Si on prend mon petit chevalier de la Mort-Feu, qu'il va falloir que je monte, c'est un monstre PV. Et la quatrième famille, on va prendre par exemple l'armure vivante, cuivre. C'est un monstre défense. Attaque, défense, HP, support. Quatre grandes familles. Et puis dans chaque famille, il y a des sous-familles. À vous de les connaître, à vous de les analyser et de les comprendre. Dans les attaquants, on va voir les bombers, bien atypiques, énormément de dégâts de zone. Alors c'est pas vraiment du dégâts de zone parce que c'est un debuff, mais ça fait énormément de dégâts. En général, le but c'est de trouer bah, la défense ennemie.
C'est pour ça que c'est des compositions qui sont très utilisées en GBG Attack ou en Arène d'Attaque. Il va avoir ce qu'on va appeler les nukers. Les nukers, ça va être plus du single target, donc plutôt des personnes qui vont attaquer une seule cible, mais qui vont honnêtement lui rouler dessus, ils vont le ruiner. Par exemple, il y a Jean que j'ai là, qui est très fort parce que son passif, il augmente de 100% sa puissance d'attaque quand ses PV sont au-dessus de 50, parce qu'il a des grandes chances de faire des taux critiques. Donc avec des bons buffs, avec des bons debuffs en face, il est capable de faire des 32, 40K, j'ai déjà vu avec Jean. Et il y en a certains qui vont dire, ah ouais, mais Jean, faut le jeter. Bah ouais, mais sauf que Jean, aujourd'hui, pour moi, dans ma team actuelle, il est super utile parce que c'est un bon nuker que j'ai eu. Et puis, j'ai pas eu la chance d'avoir, je sais pas, un 5 étoiles natif, un nuker. Non, Jean, pour moi, il me va très bien. Faut pas aller chercher midi à 14h. Faut faire avec ce qu'on a. Et du coup, vous ne serez jamais frustré dans le jeu si vous arrivez à monter des compos, à monter des bonnes synergies avec ce que vous avez. Dans les attaquants, par exemple, avoir les dégâts de zone, les AOE, c'est super puissant, forcément. Même s'il fait moins de dégâts sur une cible unique, il va faire des dégâts à tout le monde. Ça fout la pagaille pour les healers en face, pour les revives. Enfin, c'est très, très puissant. En général, par exemple, on va pouvoir les ruiner d'Esther pour avoir un contrôle en plus. À vous de savoir analyser ça. On peut avoir des attaquants, ce que j'appelle souvent DOT. Par exemple, Veromo, sur son skill numéro 1, qui va déposer des dégâts continus. C'est très puissant contre des monstres qui ont beaucoup de HP, qui ont beaucoup de défense. Donc ça, c'est important. Après, il y a aussi des monstres qui vont faire des dégâts en fonction de leur max HP, du max HP ennemi, en fonction de leur défense, par exemple cuivre. Donc à vous de comprendre un peu justement votre monstre, il va falloir l'analyser sur plein de points. Il va falloir l'analyser sur son attaque. Est-ce qu'il est capable de faire des dégâts? Si oui, de quel type? Après, est-ce qu'il est capable d'avoir plutôt de la défense, plutôt des HP? Et puis, est-ce qu'il a des sorts support? Ça, c'est super important. Votre monstre, plus il est polyvalent, si vous avez un monstre attaque qui a des buffs et des debuffs, c'est surpuissant. Et en général, c'est pour ça qu'on va dire, ah, mais il faut le garder, il est OP. OP qui revient à ce monstre, ah, il est OP, ah, mais il faut que Verdil dans mon équipe, je peux pas faire sans. Du coup, j'achète pour 12 000 cristaux des vélins mystiques, et puis ah, je pleure parce que j'ai pas eu de mon Verdil. Ben non, mais ça fonctionne pas, les gars, ça. Faites avec ce que vous avez et vous verrez honnêtement si vous vous concentrez là-dessus, ça va fonctionner. Ça recoupe un peu mes autres vidéos qui sont objectifs top summoner. Si vous fixez des bons objectifs avec ce que vous êtes, vous allez progresser dans le jeu, mais vraiment, on est bien plus vite que celui-là qui va se concentrer. Ah, il me faut Verdil, ah, il me faut Lucian. Voilà. Je suis un peu chiant là-dessus, mais honnêtement, vous allez vraiment comprendre ça. Par exemple, si on regarde dans les monstres support, savoir qu'aujourd'hui c'est seulement une vidéo on va dire générique, mais après je vais aborder plein de thèmes dans cette web série on va dire consacrée au feel good. Par exemple, dans les supports, pour moi il y a deux grosses familles. On va voir les effets positifs et les effets négatifs, les buffs, les debuffs, mais pas que. Parce que je parle d'effets positifs, par exemple, si on prend les buffers, il y a les buffers forcément qui vont augmenter la vitesse, qui vont augmenter la puissance d'attaque, qui vont augmenter le taux de la défense, qui vont augmenter le taux de critique. Ça, c'est super important. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis incapable de concevoir une bonne synergie d'équipe si je n'ai pas un buffer de vitesse, si je n'ai pas un buffer d'attaque, si je n'ai pas un buffer de défense. Après, dans les effets positifs, par exemple, on a ce qu'on appelle les healers, ceux qui vont soigner. Il y a plein de types de soins. Il y a des gens qui vont soigner une personne, il y en a certains qui vont soigner toute l'équipe, il y en a certains qui vont soigner ce qu'on appelle sur le temps, les hots. Chaque tour, vous allez être soigné de 15%. Il y en a certains, c'est avec leur passif. Par exemple, on pense à Aman qui va faire un coup critique qui va soigner toute l'équipe de 12%. Et ça, c'est important de comprendre un peu le rôle. Il faut connaître dans nos équipes, dans nos monstres actuels, est-ce que j'ai un healer, est-ce que j'ai pas de healer. Un autre type de monstre pour moi qui est important dans les effets positifs, c'est les revives. Aujourd'hui, moi, par exemple, sur le nouveau serveur Europe sur lequel je suis, c'est ce qui me manque cruellement. J'ai Michel, mais je connais un peu Michel, c'est pas pour moi le meilleur revive que j'ai. J'en ai d'autres, mais ils sont moyens. Par exemple, un monstre revive, c'est super important. Vous imaginez une team géant BD, si ça passe moyen, avec un monstre revive, un monstre il meurt, hop, lui, il revive derrière. Donc forcément, vous allez avoir, c'est comme un healer, mais puissance 2. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être soigner, quand il va refaire revivre votre allié, il va peut-être le soigner avec 50% de sa barre de vie. Donc forcément, c'est comme un heal de 50%. Mais en plus, s'il est mort, il peut le soigner en le faisant revivre. Donc c'est vraiment abusé, c'est ça, ces sorts-là. Qu'est-ce qu'on peut penser d'autre? Il y a des sorts. Ah bah voilà, l'invincibilité, style à la Chloé. On a les boucliers, par exemple, que je peux avoir avec mon Oussa.
J'ai aussi la protection que peut me donner mon petit Chandra. C'est plein d'effets positifs que votre team peut avoir. Et ça, c'est super important. Un autre que j'aime bien, ça va être un peu cette immunité justement aux dots. Par exemple, accorde une immunité avec Lusa, pour moi, c'est abusé. Face à une team qui a posé des dots, qui va vous poser du contrôle, vous prenez rien. Et ça, c'est très important. Par exemple, quand j'ai en face un Orochi qui va faire énormément de dégâts continus, bah, j'ai mon Lusa en face. Il m'envoie ses petits ninjaku là. Ça fait rien, ça me fait rien. Ça n'avait pas de dégâts, quasiment. Et puis, les seules choses que ça fait, c'est que ça pose 30% de dégâts continus. Sauf que bah, je ne les prends pas, les dégâts continus. Donc, j'ai réussi à comprendre l'équipe en face, qu'est-ce qu'elle a et comment je peux réussir à contrer ça. Et c'est ça qui va être important dans le jeu, c'est de vous poser les bonnes questions. Dans les effets négatifs, par exemple, on va avoir tout ce qui va être debuff. Retirer la vitesse de l'ennemi, réduire la jauge d'attaque, retirer la puissance d'attaque, poser un glancing hit. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Empêcher qu'il se soigne, empêcher un revive. Empêcher d'utiliser ou augmenter le CD de ses sorts. Enfin, il y en a plein. À vous de savoir de quoi vous avez besoin. Cette vidéo, comme je dis, c'est un peu une vidéo d'introduction à Fullgood. Et moi, la réponse que je peux vous donner, c'est comprenez votre style de jeu, comprenez les monstres que vous avez et essayez de ne pas vous focus sur des monstres que vous avez en doublon. Par exemple, si je prends dans mes monstres, si vous avez déjà un nuker, faites pas de votre un nouveau nuker que vous venez choper une priorité. Faites plutôt que vous avez la possibilité d'avoir des bonnes synergies. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un attaquant, un monstre qui va poser pas mal de debuffs, un monstre qui va poser pas mal de buffs. Peut-être des fois, il va en falloir deux. Des fois, ça va être un attaquant qui va pouvoir poser des debuffs ou un attaquant qui va plutôt poser des buffs. Pour moi, il faut vraiment qu'un monstre, il ait plein de compétences à son arc. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on va prendre mon Wusa. Wusa, bon, c'est un 5 étoiles natif. Si on prend ses sorts, c'est un monstre PV. Bon, PV, d'accord, ça veut dire qu'il a un bon pool HP, il va être un peu embêtant à tuer. Mais bon, c'est un peu un système de tank. Mais grosso modo, c'est-à-dire qu'il ne va pas mourir au premier coup. Ça, c'est intéressant. Mais oui, c'est bien dans une team, mais il ne faut pas s'orienter là-dessus. Il faut déjà regarder son leader skill. Pour moi, c'est la première chose qu'il faut regarder. On va regarder un peu. Augmente la précision du monstre alliée de 41%. Et ça partout. Déjà, c'est un super bon sort parce que ça passe partout. Aujourd'hui, moi, je fais pas mal de teams justement qui posent des debuffs, qui posent des dots. C'est super important. Voilà, ça peut être un bon leader skill. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais ça peut être un bon leader skill. Donc déjà, pour moi, il faut se dire, allez, hop, plus 1. C'est un monstre. Si je vais faire une petite croix, elle est où ça? Pouf, déjà, je mets un petit 1. Je fais un petit barreau, tranquille. Je regarde son premier sort. Attaque l'ennemi avec la puissance de Yingang avec 15% de chance d'endormir l'ennemi pendant 2 tours. Les dégâts augmentent en fonction du max de PV. D'accord. Mon Wusa, déjà, il a quoi? Il va faire des dégâts, alors que c'est un monstre PV, parce qu'il va faire des dégâts en fonction de son max de PV. Donc forcément, s'il a beaucoup de HP pool, il va faire des dégâts. Donc déjà, on se dit c'est pas mal parce que c'est un monstre qui a beaucoup d'HP, il va quand même faire un peu de dégâts. Donc pour moi, déjà, on peut lui rajouter une petite barre. Et puis son sort numéro 1, qui est le sort, on va dire, qui est récurrent, eh ben, il a un debuff, 15% de chance d'endormir l'ennemi. Alors 15%, ce n'est pas beaucoup, mais voilà, le taux d'effet nocif va déjà augmenter un petit peu. Puis après, avec un peu de précision, son leader skill qui augmente déjà de 41, ben, ça va passer. Et à chaque fois, vous allez avoir un sort qui va avoir plusieurs effets. Pour moi, il faut que ça fasse pencher la balance, donc oui, je le garde. Voilà, déjà, sur son sort numéro 1, il va faire des dégâts, c'est un monstre HP, et en plus, il va pouvoir poser un debuff. Très très bien. Deuxième sort, attaque l'ennemi avec la puissance de la montagne. La puissance d'attaque augmente en fonction des PV perdus. Bon. Là, c'est un sort, on va dire qu'il va faire qu'une seule chose. Il attaque qu'un seul ennemi, il va faire des dégâts. Et en plus, ces dégâts, ils sont variables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixes, c'est en fonction des PV qu'on a perdus. Donc, c'est un sort que je veux dire, c'est pas forcément un plus, c'est pas forcément un moins, c'est un sort moyen. C'est un sort qui peut être très utile. Votre Wusa, il a pris quelques dégâts. Vous l'avez monté à 35 HP. Il a pris 20K. Boum, il envoie un 20K dans la tête. C'est puissant. Ça, c'est clair et net. Mais imaginez, votre team, elle est full life tout le temps. Ben, Wusa, sur son deuxième sort, il ne va pas faire beaucoup de dégâts. Donc, ouais, il est utile, mais pas si utile que ça. Donc, vous voyez déjà, on a beau avoir un 5 étoiles natif, il n'est pas OP dans tous les styles de jeu et pour tous ses sorts. Il faut juste trouver une bonne synergie avec les autres monstres.
Troisième sort, accorde une immunité. Allez hop, plus un. Déjà, hop, une immunité, c'est un buff, c'est important. À tous les alliés, boum, plus deux. Pourquoi? Parce que c'est à tous les alliés, donc ça, c'est très important. Après, ça dure pendant 3 tours. 3 tours, c'est beaucoup. Donc boum, plus 3. Donc c'est-à-dire que déjà, son sort, si je devais le noter, déjà, ça lui rajoute, on va dire, dans ma classification, 3 points. Et puis après, c'est pareil, ça crée un bouclier pendant 3 tours, équivalent à 15% de tes PV. Donc, alors, est-ce que c'est une bonne traduction? Est-ce que c'est 15% des PV de Boussa? Alors, si c'est un monstre PV, c'est super. Est-ce que c'est en fonction des PV des autres monstres? Ça, je sais pas, ça dépend des traductions, je suis pas allé me pencher sur la question. Mais du coup, 2 buffs pendant 3 tours sur tous les alliés, voilà, tout de suite, je me dis, boum, c'est un sort qui va me monter plus 6. Bon, voilà, si je devais récupérer mon Boussa, monstre PV, 5 étoiles natives, des bonnes stats, plus 1. Son sort numéro 1 qui va faire plus 2. Son sort numéro 3 qui va stagner pour moi. Celui-ci qui va faire plus 6. Son leader skill qui est très bien, et ben voilà, je me dis, wow, c'est un monstre que je pourrais déjà noter 9 sur 10 par exemple, ou 8 sur 10, parce que il a des bons sorts, il a des buffs, il a un petit debuff, il va pouvoir faire des dégâts, il va pouvoir encaisser, il a un bon leader skill. Très très bien. Et puis la question à se poser, c'est, est-ce que j'ai pas des monstres actuellement qui font la même chose? À quoi ça sert d'avoir des monstres qui font la même chose? À quoi ça sert de vous concentrer sur 8 monstres qui font exactement la même chose? Honnêtement, à rien. Vous allez perdre du temps dans le jeu, vous allez consacrer et vous allez vous dégoûter réellement. Imaginons par exemple Akassis. Akassis qui a aussi mis un petit bouclier. Il y a des monstres qui donnent aussi l'immunité. Ben voilà, est-ce que c'est intéressant? Honnêtement, dans une même team, avoir 2 monstres qui font un bouclier, 2 monstres qui font l'immunité, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc à vous de commencer à vous poser les bonnes questions réellement. Est-ce que je me fais une team, voilà, je suis face à un géant, bah, une team qui va faire des dégâts continus. Bah ouais, ça fonctionne très très bien. Mais par contre, bah ouais, mais mes monstres, ils sont un peu fragiles. Bah créer une synergie avec un monstre qui va peut-être les soigner, qui va leur faire des revives, qui va leur poser des boucliers. Ou des monstres, bah voilà, si j'ai pas ça, comment je peux faire en sorte que ma team elle pose beaucoup de dégâts continus? Bah des monstres qui vont peut-être leur augmenter leur barre d'attaque. Ça, c'est super important. Un monstre qui va attaquer plus souvent, forcément, il va poser plus de dégâts continus. Même s'il meurt dans 4 tours, face au boss, il aura peut-être déjà posé 6, 7, 8 dégâts continus. Ce qui rend ton monstre finalement très intéressant. À vous de comprendre un peu ce système de jeu et de créer vos synergies. Honnêtement, il y a plein de synergies qui fonctionnent. Regardez sur Internet, il y a déjà des compositions fixes. Mais arrêtez de demander food ou good. Honnêtement, quand je vois, moi, il y a des monstres qui étaient très, très, on va dire, souvent, on le présentait, les gens, ils disaient food, non, ah, c'est de la merde, ah, jette-le. Imaginons Colline, mais combien de fois avant on disait, ah, mais Colline, mais non, mais jette-la, elle est pourrie. Et puis maintenant, tout le monde la joue en raid, tout le monde la joue en nécropolis. Alors, bien sûr, avant, le raid et nécropolis n'existaient pas. Mais Colline, c'est un très bon support, multi-hit, qui augmente les chances d'affaiblir la défense ennemie de 50% pendant 2 tours. Donc, multi-hit, 2 fois, on peut poser un debuff. C'est super intéressant. Là, il y a un petit heal. C'est super. Ça fait des dégâts en plus. Bon, c'est toujours bon à prendre. Non. Empêche de récupérer. Non, ça empêche l'ennemi de récupérer des PV. C'est sur le troisième sort qu'il les récupère 25% de tous les PV alliés. C'est-à-dire que ce n'est pas un soin sur une seule target. C'est sur les 5 alliés, par exemple. Et puis, ça augmente la puissance d'attaque pendant 3 tours. Et du coup. Ben forcément, Colline, elle trouve sa place dans plein de teams parce qu'elle a réussi à créer une synergie avec les autres. Et c'est ça qui est important. Commencez à réfléchir aux synergies. Comme vous savez, on a des monstres feu. Forcément, les monstres feu vont faire plus de dégâts contre les monstres vent. Ils vont avoir un taux de critique plus élevé. Le pourcentage de chance d'avoir la précision que vos debuffs passent est aussi plus élevé. Donc à vous de réfléchir à ça. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai des monstres, par exemple, j'ai Shannon. Shannon, tout le monde en parle en bien. Moi, je l'aime beaucoup aussi, Shannon. Regardez, elle est toute mignonne avec ses petites ailes et tout. Mais pour moi, de base, elle a des stats un peu trop faibles. Bah, du coup, je suis en train de chercher son équivalent. Elle est bien parce qu'elle fait du multi-hit. Multi-hit, bah forcément, Rune d'Esper, on va faire du contrôle. Elle est bien parce qu'elle réduit la vitesse d'attaque. Donc, c'est vraiment un monstre buffer des buffers, pur support pour moi. Honnêtement, elle fait pas de dégâts. Elle n'a pas un bon pool d'HP, elle n'a pas un bon pool de défense. Mais par contre, elle va pouvoir poser un glancing sur l'ennemi pendant 2 tours. C'est super intéressant. Un géant B10, allez hop, il vous met une claque, vous la sentez à peine passer. Un mont justement, un nuqueur, et bah c'est super intéressant. Au mont Jean, il prend un glancing vite, honnêtement, bah, il sert à rien. Il sert à rien. Vous avez réussi à trouver, on va dire, un contre à mon équipe.
Après, on regarde son deuxième sort. Ça va réduire la vitesse d'attaque de tous les ennemis. C'est super bien, un AoE qui réduit la vitesse d'attaque. Forcément, donc ça, on comprend tout de suite son rôle. Et puis après, ce qui est important, c'est que ça va augmenter la défense et l'attaque de mes alliés, de tous mes alliés pendant 3 tours. Donc, je n'ai pas forcément trouvé son équivalent sur les 3 sorts. Et heureusement, sinon il n'y aurait pas d'intérêt pour Conturus de sortir des nouveaux monstres. Mais des fois, je vais réussir à pallier à ma Shannon grâce à un attaquant qui va, pourquoi pas, me donner un buff d'attaque-défense. Et puis après, je vais avoir un autre monstre support qui va réduire la vitesse d'attaque des ennemis et rajouter un Glancing. Et finalement, bah, j'ai réussi à virer les 3 sorts de Shannon grâce à un nouvel attaquant. Et puis, bah, du coup, ils ont d'autres sorts. Et du coup, ça va créer une meilleure synergie. À vous de réfléchir un peu à l'ennemi. Vous savez, vous avez toujours ce message sur Summoner's War, on va dire, oui, si vous arrivez à analyser les sorts des boss, vous pouvez les battre avec une équipe beaucoup plus faible. Et bien, en fait, ils n'ont pas tort du tout. Si vous êtes un petit peu stratégique, que vous comprenez vos monstres, à vous de savoir les placer. Donc, honnêtement, vous êtes les seuls à pouvoir répondre à la question good ou food. Et puis, je vais faire d'autres vidéos. Je vais faire des vidéos, par exemple, où on va analyser tous les nukers. On va essayer d'analyser un peu, voilà, c'est quoi les nukers, c'est quoi les bombers, c'est quoi les monstres AoE, lesquels qui sont intéressants, pourquoi? Parce qu'en général, ils sont très polyvalents, ils passent partout. Et puis, dans quelles compositions les bonnes synergies pourraient être créées. En tout cas, c'est une vidéo où j'espère vous allez vraiment lâcher un max de commentaires parce qu'il faut vraiment qu'il y ait de la réaction là-dessus. Vous me disiez, bah ouais, mais moi je comprends pas trop, tu me parles de Food Good. Moi réellement, j'ai pas ces niveaux de jeu, j'arrive pas à comprendre. Je vois des gens, ils ont tous des Bernards. Honnêtement, moi j'ai un Bernard parce qu'on m'a dit de le garder, mais j'arrive pas à le faire évoluer. Je trouve qu'il sert à rien dans mes équipes. C'est pareil, on me dit tout le monde, ah ouais, garde ta Shannon, garde ta Shannon. Je l'ai montée 35, elle sert à rien. Est-ce que c'est mes runes? Est-ce que c'est. Bah, des fois. Les runes, ça va jouer. Et puis des fois, bah, vous n'arrivez pas à créer une bonne synergie avec vos autres monstres. Donc, bah, un monstre qui peut être très très fort bah, devient nul. Du coup, c'est là où vraiment il va falloir qu'on se pose des questions dans le jeu et qu'on puisse trouver des réponses pour pouvoir avancer beaucoup plus vite et devenir meilleur dans le jeu. OK? Donc en tout cas, les petits invocateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez réagir par rapport à ça, la partager, la liker, vous abonner à ma chaîne. Et puis, soutenez-moi un petit peu, balancez un peu vos avis là-dessus. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des guides qui peuvent être super utiles, je les rebalancerai aux autres personnes. Le but, c'est de créer une communauté active autour de Summoners War, on va dire pour la communauté francophone, se poser les bonnes questions et puis d'avancer tranquillement tout en prenant du plaisir. Bon, allez, les invocateurs, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Summoners War. Prenez soin de vous, trouvez les bons objectifs et posez-vous les bonnes questions. Allez, ciao, ciao!